Bonjour, bienvenue. Ça a recordé ? Ah bah là on recorde de ouf là. Ouais. Bonjour, on a deux boosters point de fusion. Jusque là tout est normal. Et après, bah, j'ai un peu déconné, on en a 8 évolutions célestes. Ce jeu du team joueur. Ce 1. On en a eu quelques-uns entre guillemets gratos. Ouais. Puisque le King Jouet a fourni avec des chèques cadeaux, enfin bon, je vais m'attarder là-dessus, mais c'est bientôt Noël, faut du gros... Faut du lourd, quoi. Du lourd, en arrivée. En ma présence, bien sûr, Kai, le gris-gris porte-bonheur, parce que sans lui, à chaque fois, j'ai des cartes rincées. Alors que quand il est là, ça va, ça passe. Enfin, on verra, parce que c'est le tabac qui ralasse. C'est sa théorie, c'est que c'est les paquets du tabac qui ralasse. On commence par quoi? Parce que comme on a que 2 points de fusion, je pense qu'on les met au milieu ou... Ouais, on les met à la fin. À la fin? Ouais. On en met un au début et à la fin. Ok, si tu veux. Enfin, on fait un sandwich comme ça, tu vois. C'est du tabac, les points de fusion. Points de fusion viennent du tabac, effectivement. Okay. Donc on commençait par cette pochette avec notre boy ectoplasma. Ouais, bon. Qui est transformé en Enus. Enfin bref. La galère commence. Bonjour. Bon, ça va être comme d'hab, hein. Voilà. Je coupe, ouais, je coupe. Bonjour, petit shuffle, tu connais. Sauf si j'ai oublié la procédure, je le fais pas dans le bon ordre, on verra bien. Hop là, directement la carte. On commence par un court rayon de galard, donc rappelons que ça c'est point de fusion. Hein. Quillfish, Goupix, le Vénard, très mignon la carte. Zigzaton de Galar, le best, ah oui, tu connais, il m'a aidé à gagner sur CS, donc voilà. Pourquoi? C'était renommé Zigzaton. Tu sais, je fais le truc avec les avatars Pokémon, oui, oui. Bah, Zigzaton, oui. Ça, il a tenu quand même la full évolution. Hein. Propre. Victini, légendaire le plus rincé de la Terre. Mais c'est pas un légendaire, c'est un... Oui, c'est un mythique, enfin bref, c'est un truc super rare alors que ça doit être pas. Lampérois. Un seul lourdeau. Est-ce qu'on est déjà à la carte non commune? Peu commune. C'est peu commun ça? Oui, tu vois au petit losange. Ah, allez, bien joué. La reverse qui est le goupis qu'on a déjà vu, mais en vrai, sympa. Oui, sympa. Il est cute. Et. Gorythmique Vulmax! Ça, c'est les cartes du tabac, elles sont pétées en l'air. Ça, on est. Ouais, ça, franchement, ça régale. Les cartes, je sais pas où ils se font en liste, tout là-bas, mais. Écoutez, des 3 starters de la 8ème génération, c'est le moins pourri, donc je suis assez content finalement. Parce que là, on va avoir une avalanche de merde. Hein. Parce que ça vient pas du tabac. C'est vrai qu'en plus, j'ai mélangé, donc on sait pas. Donc les packs qui seront pourris, c'est ceux qui sont pas du tabac et les autres. On va les mettre là, celles qui ralassent et les autres par là-bas. Mais il y a un problème sur le tabac, mec. Je mettrai sous sleeve après. Il est pété en l'air, le rendement est. Le roman est incroyable. Bon là ça va être un paquet de merde du coup. Du coup on a un Drabi. Attends, c'est rien, ça se trouve il met du tabac. Je sais pas. Après on a un Elionso au KLM. Oh yes, le Nidipio, il est vraiment trop cute. Propre. Teddy Oursa qui est mignon aussi, ça va. Exagère le Pokémon Flocon. Petite énergie sympathique. MDR. C'est ça, c'est un rouleau de massage. Classe. Une peinture bizarre. Le Krabarak. Stylé en vrai. Les gobelets d'échange. Et pour un mec qui est des gens dans la rue, c'est cool. Oh, allez. Zorua Reverse. Du coup, t'as Zorua qui est stylé en vrai. Très mignon. Et. Florge. Florges. Je pense que c'est Florges pour le prononcer à la portugaise. Florges. Ok, la mise au point. Ouais, mise au point, il y a une limite quand même. Ok, très bien. Mais ça va, en vrai, sympa. Cool. Cool. Rebonjour, l'autofocus est désormais présent. Donc là, il vole. Tignon, genre, pendant ta gueule, quoi. Passe rouge, très mignon. Donc, que des Pokémon mignons ultra stylés. Ce qui est entre, c'est pas la peine. Genre, Tentacool, par exemple, s'en fout. Pichou, très mimes, quand même, faut le dire. C'est pas le Pikachu obèse de voltage éclatant, mais c'est quand même le Pikachu. Mais lui, on peut l'avoir, le Pikachu obèse dans les... Pas dans cette série. Ah, dommage. Faudrait que j'achète des voltages éclatants pour essayer de poule. Très bien. Le Big Pika. Floravol. Badge élémentaire. Pourquoi pas.
Alright, alright. Pont chien, non, c'est pas encore la reverse. Pont chien, on va pouvoir rincer, on va se mentir. Wouah! Stylé en vrai. En vrai, les cartes dragon, elles sont tellement stylées avec la couleur. Classe. Et ensuite. Bouya! Mais mec, le Lugarok V. Stylé de ouf en vrai. On voit un combat V là, le, on jamais. Le yinche de pierre est là. Voilà. Enfin, pas de pierre. Pierre dans la team, genre pierre le rocher, tu vois. Ok. Ensuite, on a du Soloshi Franck. Soloshi. J'ai trouvé avec des artworks absolument dégueulasses en pâte à modeler. Ça. Okay, il n'aime pas la pâte à modeler. Caravana, stylé en vrai. Anthony Caravana, MDR, big up, mets un like si t'as compris la blague. Anthony Caravana. D'accord. Passe rouge. Il y a les deux fils, c'est très important. Nemelius. Vigo. Du point, sa mère. L'ombre. À l'ancienne. Petit lit du Colossus de l'eau. Oh, petit phare à l'ancienne. Reverse qui met bien 150 PV reverse. Bon, la courbe d'effet déjà, ça dégage. Ouais, ça pèse, hein. Alors, vas-y. Et. Ouh, de la bonne merde. Ouh, c'est nul. Ça, c'est vraiment nul à chier. Ah, ça, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, tu pourrais le faire, ça vaut 10 centimes, je pense. Ouais, t'as pas mal fait le mélange, puisque c'est la rare, on le voit à la petite étoile. Ça, c'est un paquet de King Joué. Ouais, ça pue le paquet de King Joué, ça. Alright, fuck boys. Granny Piao. Par cool. Se suspend tranquillou. Fla bébé. Bon, ça, après, ça donne Florges, tu vois. Ah oui, je crois, il me semble. Devant Anthony Cardin. Enfin, le retour d'Anthony. Krabi Bitcock. C'est bon, j'ai fait marier moi une personne, c'est réussi. Grande caoutchouc, donc ça c'est quand les deux sortent Pokémon, ils vont faire la vaisselle, tu vois. Ouais, d'accord. Pas mal. Copieuse. Mm-hmm. On a le Diamat. Non, c'est pas le reverse. Non, c'est pas le reverse. Non. Mais Diamat quand même. Stylax. C'est un autre Coconeto version dragon. Enfin, on a le Solochi Diamat et après ça donne Trioxyde. Copieuse, mais en reverse. Donc on peut dire que la carte s'est copiée MDR. Oui, c'est très bien, c'était très finement observé. Et. Ça brille au moins, c'est mieux que le. C'est pas mal. Mieux que le Scarabouille moisi, mais bon. C'est pas ouf non plus. Voilà. Il y a des cartes de merde. Surtout Marshadow, on va pas se mentir, je sais même pas d'où il sort ce Pokémon. Voilà. Voilà pour la partie ASMR, alors ensuite c'est. C'est Cal qui va ouvrir son baguette, on va l'avoir toussé comme une merde. Donc alors maintenant on a un Bakiguan dégueulasse. Voilà, j'enchaîne parce qu'il mérite pas. Ensuite un Barpo qui se fait pêcher le cul. Effectivement. Tignon qui met des points dans la gueule des gens. Parcool qui décidément est au bord du suicide. Voilà. C'est pas très cool du coup. Chloro. C'est nul. Chlorobule. Voilà. Petite énergie feu qui met toujours bien. Oh, le Aquaquake sympathique en vrai. Stylé en vrai. J'aime bien. Enfin, l'artwork est stylé. J'aime. Ah, un des gants vaisselle. On tourne des gants d'un pas. Ah voilà, c'est oh oh. De copieuse étant dans là. On a un hippie du même fin de paquet. Ok, on passe rouge en reverse. Ouais. Donc il a ruiné l'opening. J'ai terminé. Mais peut-être que c'était une bénédiction. Attention. Et non, aïe, c'était aïe, aïe, une aïe, malédiction. Aïe, aïe. Après, cela dit, Tangalis reste un peu comme un petit stylé. Je veux dire, t'avais ça dans la cour de récré. En vrai, un Tangalis, c'était classe. Ouais, mais il y a un mec qui va se pointer avec le même, mais en reverse ou en brillant. Mais tu seras baisé. Bon, voilà. On en est où là? Parce qu'il reste plus grand chose, il reste 4 paquets. Jusque là, le hall n'est pas non plus dinguissime. Hein. Mais parce qu'il est tout petit joué, ça. Donc on va espérer que ça s'améliore après. Je lance le footage, alors je vais éternuer sur les cartes. Tu fais rien que tu veux. On verra bien. Tentacool. Pitrouille pâte à modeler. Drabi. J'avoue que si on pouvait avoir un Dratak après, ça mettrait bien quand même. Ouais. Love Disc. LDR. Ouf. Très. Moi j'aime bien. J'aime bien l'artwork. Stylé en vrai.
Genipio, donc du coup, on est en Genipio en mode déter. J'avoue, là, Genipio, il va à la salle, tu vois. Énergie d'acier. Hypnomane, le Pokémon aux tendances un peu bizarres. Il est dégueulasse. Oui, oui, là, non, mais oui. Non, mais le Pokémon est dégueulasse, faut le dire aussi. Qui aime Hypnomane? Mettez en commentaire qui aime Hypnomane, qu'on lui casse sa gueule. Je sais que ça va être toi, hein. Diamat, le retour. Floravol, le retour. Bon, après, en même temps, on ne vit pas qu'il y a de la même série, ouais. Et c'est peu qu'il y ait des repeats. Hein. Ah, le rouleau, mais en. Le rouleau reverse. Et. Yes! Oh. Let's go! Golemastock! Attends, mais Golemastock il est hyper classe en plus. Yo! Ça, c'est le golem juif. Franchement, stylé. Ça. Voilà, on est de retour sur des cartes correctes quand même. Du coup, maintenant, c'est à mon tour, donc je sors des cartes de merde à chaque fois, ça va être sympa. Donc là, vous attendez à rien. Donc ça commence par de la merde. Ensuite, de la merde, mais type glace, enfin type eau. Une glace, oui. Ensuite, de la merde type psy. Ah. De la merde de type... De la merde type obscur. Drabi, ok, ça va. Ils ont mis un petit contour shiny dans du Drabi sympathique. De l'eau. Ah, attention, c'est quoi ça? Après, là, les outils, trucs de vaisselle, on a. Un pistolet à eau. Mais... Ouais, ses cheveux, voilà. Oh, ses cheveux. La suite de, du truc. Bah, ouais. Ok, ensuite, on a. Cercle. En vrai, stylé. Très stylé. Sympa comme Pokémon, j'aime bien. Ok, et Pitfeu. Bon, bon, on a toute la ligne, on a Zanibio, Pitfeu et Tangalis, là, bon, on est là. Ok, si vous voulez construire un deck, ça serait cool. Parce que, faire des poules de ouf. Et je crois que je suis nul à chier, moi. Ouais, Mastouf en plus, Mastouf. Genre, déjà, ton chien, il est Rinsax, mais il évolue même pas en truc stylé, il évolue en ça. Ah non, c'est vraiment Rinsax. Tu vois les chiens moches, bah voilà. Et, et pourtant, j'aime bien les chiens, mais ceux-là, ils sont moches. Les chiens des Maldi, alors. Aïe, aïe, aïe. Ah putain, moi là c'est le pony, c'est pas... C'est Kyle, tu as perdu ton fluide. Non mais moi je suis un léger fluide pour venir en général, tu vois, t'as des cartes bonnes, ça va. Donc tant que ça, ça va, tu vois. Ok, bah on va ouvrir les deux derniers, hein. Donc il nous reste un évolution céleste que je vais ouvrir, et ensuite... Ou alors Kyle... Non, je fais ça, mais c'était juste pour... Ah oui, c'était mon test, d'accord. On est juste en ligne ici, on présente les trucs. C'est vrai que jusque là j'ai ouvert hors caméra parce que... Hein. Après ceci dit, vu la gueule des trucs qu'on a tirés, vous savez qu'on triche pas. Hein. Là, ça va être difficile de dire, oh, putain, ils ont pris une carte à part, ils l'ont fait genre, ils l'ont mis dans le paquet parce qu'on a vu que de la merde. Donc, Fatigué, mais fatigué. Hippopotasse, il est rond. Il est rotten, tu vois. MDR. Conchio, va niquer ta mère. Goupilou. Que battoir. Bien. Grolasson, le retour. Nodulite. Et alors, c'est là l'artwork, il est vraiment chelou. Elle est creepy, la carte. Ça, ouais, ça fait un truc un peu cursed, tu vois. Et tu pourrais faire un... Les vidéos YouTube, genre la théorie de la carte. Ouais, faire des creepypasta nodulites. Voilà. Galerie marchande. Donc, pour faire tes courses de Noël. Bon, vas-y, les oh, si je te vois encore, je vais la déchirer, ouais. Démélios. C'est ça, les bipédrones. Vigorotte. Bah, les bipédrones. Vigorotte diversifié. Allez. Oh, oui, oh. Let's go, Mentalili Max. Il est hyper stylé. Bon, c'est pas un alt, mais ça met bien quand même, les amis. Il est en classe. Bon, ça va, tout n'est pas perdu. Putain, mais je suis vraiment nul à chier, moi j'ai... Bon, Kyle, c'est ta chance de rédemption. Franchement, j'ai envie d'y croire. Bon alors, on commence avec un... La faute attentive, c'est une série qu'on n'a pas encore trop poncée. Un Posipi. Mouna, qui est Pokémon sympa en vrai. Ouais. Mais il est sympa, moi j'aime bien. Oui, le Pink Fetus. Il est stylé. Petit Miaous. Oh, il est trop mignon.
Ok, l'énergie métal. Colis mucus. Ah oui, c'est le simultanément. Très bien. Mucus, quoi. Ouais, mais il y a un dragon bizarre, enfin bref. Gamblast. Gamblast, très stylé. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'aime bien aussi. Ah, la suite. Ça va. Oh, la collection vaisselle, la collection. Elle est incroyable. Allez, combo bouffon, je suis fou. Galvaran. Galvaran, très bien. Le reverse. Oh, sympa. Oh, sympa. C'est l'Arsène Wenger. Ok. Là, voilà, la blague est faite. Hein. Et là. Ah, mais non. Ah, mais non. Tu fais glisser. Mais attends, mais. Ah, mais non, elles sont collées. Ah, oui, elles sont collées. Ok, c'était collé, c'est un truc sympathique. Chiche. Attends, elle est hyper stylée. Chiche. Yo, le oupa de ouf. Ça, c'est pas... Ça, c'est de la rare, ça. Voilà, c'est ça, ça vient du tabac, voilà. Ça, race, on est bien, là. Bon, ça va. Attends, ouais. Elle, elle est vraiment hyper classe, par contre. Elle est très stylée. Oupa, c'est pas mon Pokémon préféré, mais il faut quand même avouer que la carte, là... La carte en est même, mais ouf. Waouh. Tu vois. Non, je sors hors cam. Il sort hors cam, attention. Ah non, elle est vraiment classe. Mais en fait, tu vois, même les détails et tout, genre, tu vois, les petits trucs classe, quoi. Enfin, il y a du relief un peu. Hein. Je sais pas si on voit la caméra. On voit pas forcément la texture. Mais... Ouais, voilà, en gros, il y a une texture. Mais c'est texturé, c'est joli. C'est une texture classe. Bon, écoutez, unboxing, pas forcément des plus ouf, mais pas non plus catastrophique. Ouais, parce qu'on a quand même cette carte ou pas très stylée. On a eu ce Mentali que je kiffe. Parce que je kiffe Mentali, peut-être parce qu'il est violet, mais. On a eu le golem à stock, qui vraiment te tabasse la gueule là. Le chien rocailleux. Florgès, je sais pas ce qu'il fout là, mais vous êtes sur l'Octa. Et. Le Gorithmic. Voilà pour cet unboxing de folie, cet unboxing de Noël qui fait plaisir, qui fera peut-être pas plaisir à certains enfants qui n'ont pas eu leur carte Pokémon parce que j'ai pris 10 paquets, mais bon, c'est voilà, hein, c'est le jeu. Fallait avoir les bons contacts. Je vais dévisser ça. Excusez le bruit, petite cactus update. Les oreilles poussent bien. Là c'est toujours une morceau de jungle. Et les autres, bon, ça avance tranquille. Voilà. Il y a un beau tas de cartes, de papier là qui va finir à la poubelle. Bravo la société de consommation. ASMR vieux paquet. ASMR vieux paquet dégueulasse. Tu veux que ta tronche soit à l'écran ou non, ça va? Non, bon fou.